J'habite à Plomodierne, à une petite quinzaine de kilomètres de Châteaulin. Et ça fait une vingtaine d'années que je suis installé dans la région. Je suis au niveau professionnel, je suis professeur des écoles, enseignant spécialisé avec des enfants en difficulté. Et je côtoie la maison de la presse de Châteaulin en tant que client depuis très longtemps, depuis que je suis installé dans la région. Depuis que Fred, l'actuel propriétaire de la maison de la presse, a repris ce lieu, c'est un lieu qui pour moi est central dans la vie châteaulinoise parce que en plus d'être une maison de la presse, c'est un lieu militant, un lieu alternatif, de par ses choix de vitrine, les livres qui sont mis en avant, et puis aussi il y a l'espace d'affichage, et notamment la fameuse banderole de cette maison de la presse de Châteaulin, avec toujours des messages militants et alternatifs. Et c'est pour ça que moi c'est un lieu que j'aime beaucoup. Avec notamment la possibilité toujours de discuter avec Fred et avec les deux employés, Fabrice et Marie-Hélène, et donc de discuter avec eux. Il y a une vraie relation avec le client et la possibilité notamment de commander les livres et de discuter de ces livres qu'on discute, qu'on reçoit. C'est un vrai lieu c'est pas un lieu... où on est un numéro, où on va passer commande, on va recevoir sans lien. Il y a un vrai lieu de lien. Voilà. Ça, c'est pour le côté maison de la presse, librairie. Il y a le côté service aussi. C'est un lieu où on peut faire des photocopies. Il y a beaucoup de services qui sont rendus. Voilà. Et en tant qu'usager personne qui fréquente Châteaulin, c'est un lieu qui est vraiment central dans la vie de Châteaulin. Et il y a quelques temps, Fred a décidé de mettre en vente ce lieu. Alors il y a deux aspects. Il sait très bien que les maisons de la presse sont des lieux qui se vendent très difficilement. C'est pas dans l'air du temps de reprendre une maison de la presse. Et d'ailleurs, dans le coin, dans le Finistère, à Quimper par exemple, et dans d'autres endroits, les maisons de la presse qui sont vendues n'ont pas été rachetées et donc ont fermé. Il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect, Fred est quelqu'un qui a envie de transmettre plutôt à un collectif qu'à un acheteur individuel. Et donc il a lancé l'idée, avec ces deux constats, de faire une reprise collective du lieu, de la maison de la presse. Je crois qu'il a lancé l'idée il y a quelque chose comme 2 ans. Dans son réseau d'amis, dans son réseau de clients aussi. Et c'est quelque chose qui a pris assez rapidement. C'est-à-dire qu'on est, on est un certain nombre à avoir été charmés par l'idée d'une reprise collective. Ça fait presque 2 ans qu'on se réunit très très régulièrement pour imaginer la façon dont on pourrait reprendre cette maison de la presse de façon collective. Ce n'est pas quelque chose qui est habituel, c'est-à-dire que ce n'est pas un concept qu'on voit partout et tout le temps. Et donc il a fallu réfléchir aux façons, aux modèles qui pouvaient être mis en place pour que ça soit viable. Donc il y a eu beaucoup de réunions de réflexion. Et puis un peu moins d'un an, on s'est décidé sur un modèle économique qui est le modèle de la SKIC. La société coopérative d'intérêt commun, collaboratif, qui est une émanation du modèle des SCOP. Et les SCOP, c'est pour le côté marchand. Là, le côté SKIC, c'est il y a un projet de territoire avec une notion de service à la population. Et donc, on s'est constitué en SKIC. En mai dernier, il y a eu une assemblée générale constitutive où toutes les personnes qui avaient pris des parts sociales dans les mois qui ont précédé se sont rassemblées pour entériner cette création de SKIC. À l'heure actuelle, alors ça a évolué depuis l'assemblée générale, mais à l'heure actuelle, on est à peu près 150 coopérateurs.
Un coopérateur, c'est quoi ? C'est une personne qui achète pour 100 euros une part sociale. Au minimum une part sociale, on peut acheter plusieurs parts sociales, de manière à être tous ensemble propriétaires de la maison de la presse. Ce qui est important dans une SCIC, de la même manière que dans une SCOP, c'est que une personne égale une voix. Lors des assemblées générales, il n'y a pas celui qui possède plus de parts a plus de poids. C'est vraiment une personne égale une voix. Dans une volonté vraiment de décision collégiale, qu'on décide tous ensemble les politiques de la maison de la presse à venir. Voilà pour le côté SCIC, donc société coopérative. Ça coûte beaucoup d'argent de reprendre une maison de la presse parce qu'il y a le stock de livres à racheter, il y a le stock presse aussi à racheter, il y a les murs à racheter. Et avec les parts sociales, on n'a pas assez. Clairement, ce n'est pas suffisant pour acheter tout ça. Et du coup, on a lancé un financement participatif sur la plateforme Kengo, qui est une plateforme bretonne de financement participatif. Et donc, ça fait plusieurs semaines que ce financement participatif est lancé. Et plutôt que de se contenter de cet appel à financement participatif, on s'est dit que la plus-value du lieu, c'était d'organiser des actions autour de la culture, culture au sens large. Durant cette période de financement participatif, on s'est dit qu'on allait créer un événement par semaine. Et donc on a invité des auteurs, on a eu des spectacles, on a eu des concerts, une fois par semaine, de manière à faire parler de la maison de la presse, du projet Maison qui pousse, et de faire venir les gens, de leur faire donner envie d'adhérer au projet et de leur donner envie de donner de l'argent sur cette plateforme de financement participatif. Donc la culture au sens large, les livres, le conte, beaucoup de choses, le concert, la musique. Et puis il y a eu cette idée d'élargir au sens vraiment très large de la culture et de faire venir le Linux Quimper pour aborder la culture numérique et la culture du libre, logiciel libre. On est quelques-uns au sein de l'entité Maison qui pousse à s'intéresser au logiciel libre. Moi personnellement, je suis un utilisateur de Linux et du logiciel libre depuis de nombreuses années. J'avais connaissance des install parties qui avaient lieu à Brasparts. Je sais qu'il y en a aussi sur Quimper. Moi, je suis plutôt tourné vers Brasparts. J'ai déjà eu l'occasion d'aller sur une install partie et on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'organiser ça dans le cadre de la maison qui pousse une fois. Temporairement, et puis on se dit peut-être que ça pourra être reproduit si le contact est intéressant et prend, et si ça intéresse des gens. Voilà, et pourquoi la culture du logiciel libre ? Tout simplement parce que, comme je le disais au départ, la Maison de la Presse, c'est aussi un lieu militant, un lieu alternatif, et pour nous, le côté alternatif dans le numérique, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alternative aux grands propriétaires du net, aux grands propriétaires du numérique, aux GAFAM, etc. On pensait que c'était vraiment, vraiment dans la lignée de l'état d'esprit de la maison. Voilà.